Does it change anything? I was born in Canterbury, in Kent, which is a cathedral city, very historic. And I think that growing up there was something that, having all this history around me, it made me sort of... I used to walk into the cathedral and see the grandness of the size of the space and feel larger because of it. And in a way, I ended up in all of these costume dramas. It seemed kind of fitting. I was very comfortable in that environment. The costume is costumes are, of course, they're part of the characters. That always they're great. But I often was asked. You know, I've often been asked why I did so many period films and so many costume dramas. And I really can't give you a straight answer. I can tell you that I've been most proud of all the films I've worked on. I really appreciate you mentioning Zulu, because Zulu is also one of my favorite films, and a chance for me to take a new direction. So, thanks. C'est peut-être parce que je suis née à Canterbury, donc ça fait partie un peu de mon décor naturel. Il se trouve que j'ai grandi dans cette dimension somptueuse, cette cathédrale, cet environnement historique et grandiose, et j'ai encore des souvenirs de moi, petit enfant, me promenant et pénétrant dans cette cathédrale et étant saisie par la beauté et la grandeur du lieu. Donc peut-être que ça a marqué en quelque sorte ma destinée professionnelle, parce qu'effectivement j'ai souvent tourné dans des films d'époque, j'ai souvent été en costume, et c'est une question qu'on me pose d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai été pris tellement dans des films d'époque? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment y répondre. En tout cas, je suis touchée que vous fassiez allusion à Zulu, puisque pour moi aussi, c'est un de mes films préférés. C'est un film qui, j'espère, me permettre un peu de prendre un tournant dans ma carrière et me diriger vers autre chose. Monsieur? Bonjour. Alors moi j'ai une question plus précise par rapport justement aux trilogies que vous avez faites. Justement, c'est vrai que vous allez prendre un tournant dans votre carrière avec ce film Zulu, parce que c'est vrai qu'on vous a vu sous une facette différente, mais j'aimerais savoir l'aventure justement d'avoir enchaîné des trilogies comme ça, comment vous vous êtes retrouvé dedans et comment continuer à chaque fois quand on fait une série comme ça et des séries comme ça qui sont très populaires. Donc quel a été votre sentiment premier? Est-ce que ça a été la création? Est-ce que ça a été le fait d'être populaire? Est-ce que ça a été une opportunité? Voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous? So it's true that Zulu has been a turning point in your career, and we also realize that you are now moving to a different direction. But these trilogies that have been so important in your career, how do you see them maybe retrospectively? Were there opportunities? Were there for you a way of creating your own character, or what is it now, retrospectively? They were phenomenal opportunities. I was cast in Lord of the Rings a couple of days before I left drama school. And they were, it was, I mean, that was an incredible gift for a young actor. It was like an education in film, working with Peter Jackson and the likes of Ian McKellen, who I know is here as well, and other phenomenal actors. So it was really an interesting period of opportunity that presented themselves, and I was in the right place at the right time, as it were. And I have nothing but, you know, some of the most amazing memories of that time. And it's also like an exciting, it's an exciting place to leap from. It's an interesting thing to have been part of such a huge, three huge trilogies, because people have a very fixed idea of you. When you try to shift the opinion, it's much harder than you may think. Ça a été des opportunités absolument extraordinaires. Il faut dire que ça faisait à peine quelques jours que j'avais fini ma formation d'acteur quand on m'a proposé de travailler dans Le Seigneur des Anneaux. Et ce que j'en garde, ça a été un apprentissage inestimable, le fait de travailler avec cette troupe d'acteurs, avec Jackson, mais aussi le réalisateur, mais aussi avec Ian McKellen, dont je sais qu'il sera ici à Deauville. Ça a été une chance vraiment incroyable dont je ne me remets pas moi-même. Je me dis que j'ai été simplement au bon moment, au bon endroit, et ça m'a permis vraiment de me forger et puis de créer
des souvenirs les plus fantastiques que je garde. Cette période de ma vie, ça a été quelque chose de très important. Cela dit, une fois que vous êtes embarqué dans cette aventure comme celle-là, une fois que vous avez fait 3 trilogies qui ont à ce point marqué les esprits, c'est un très bon point de départ, mais il faut en partir. Il faut, à partir de là, essayer de se donner une autre direction, d'autres objectifs, et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Madame.